Il lit la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. En ce jour, en ce jour, ton fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Alléluia. On va prendre maintenant Exode 33. Exode 33, le verset 14 à 16. Exode 33, verset 14 à 16. Exode 33, verset 14 à 16. Elle lit la parole de Dieu. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole. Acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, frères et sœurs, au nom de Jésus, on dit Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Et la semaine prochaine encore, chaque mercredi, jeudi, vendredi, je vais prier pour vous. Écoutez-moi bien. On va parler de l'onction. On a parlé de la parole, on a parlé de l'esprit. Aujourd'hui, on va parler de l'onction. Un jour, peut-être, vous allez me quitter. Un jour, vous allez aller prier ailleurs. Un jour, vous aurez peut-être l'obligation de quitter Abidjan. Je prends un exemple. Tu déménages. Tu t'en vas peut-être à Daloa. Tu n'as pas quitté à Daloa pour venir. Mais le conseil qu'il y a à te donner, ne va jamais dans une église où il n'y a pas onction. Ne va pas dans une église où il n'y a pas onction. Le jour où tu me quittes, le jour où tu ne pries plus ici, ne va jamais dans une église où on ne fait pas onction. Onction, c'est quoi? On ne prie pas pour les gens, on ne dit pas l'Esprit de Dieu est là, Dieu me dit que... Toutes ces églises que vous entendez, toutes ces églises que vous entendez qui disent, ici, le Saint-Esprit n'existe pas. Avant, il existait, maintenant, il n'y a plus Saint-Esprit. Toutes ces églises que vous entendez disent ça, c'est des églises combien? Jésus avait 12 ans, il n'a pas fait miracle. Jésus avait 12 ans, on n'a jamais entendu dire qu'il a ouvert les yeux d'un aveugle. Jésus avait 12 ans, tout ce qu'on disait de lui, il confondait les sages en posant des questions et puis en les répondant. Mais on n'a jamais dit qu'à 12 ans, il a ouvert les yeux d'un aveugle. La Bible n'a jamais dit qu'un mur a parlé. À quel moment on a entendu parler de Jésus? C'est au moment où Jean-Baptiste l'a baptisé et que l'onction est celui qui dit Amen, ça descend sur lui. C'est quand l'onction est descendue sur Jésus, c'est là qu'il a commencé à faire un miracle. Sinon, au début, il parlait seulement. Il parlait. La Bible dit qu'il avait 12 ans. Il est dans le temple. Il parle seulement, mais il ne peut pas faire un miracle. Quand il a eu 30 ans, Jean-Baptiste l'a baptisé. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est descendu sur Jésus. Et la Bible dit quoi? À partir de ce jour, on a commencé à entendre parler. Si tu as l'onction de Dieu sur ta vie, on commencera à entendre parler de la grâce de Dieu dans ta vie. Toutes les églises qui disent que le Saint-Esprit c'était avant, que c'était avant, Saint-Esprit c'est avant, c'est des églises combien? C'est des églises du diable. Le plus souvent, le pasteur couche avec les fidèles. Ou bien il vend drogue. Ou bien le pasteur canari derrière la chair. Donc quand il ne veut pas qu'on prophétise, il ne veut pas que prophétie révèle son drap. C'est pourquoi dès que quelqu'un commence à dire ti, il veut parler, on dit mettez-le dehors. Parce qu'il ne veut même pas que Dieu parle. Sinon Dieu parle. Moi tout de suite, quelqu'un peut se lever pour dire que je couche avec quelqu'un ici. Et puis on va vérifier si c'est vrai. Mais Dieu doit parler. Ce n'est pas à cause de toi qu'on ne prophétise pas. Ou bien, quelqu'un peut faire, il a regardé un film Ibo. Où ils ont tout fait. Les diacres de l'église, le pasteur prie, les gens tombent. Eux, ils prient, les gens tombent pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une fille. La fille, là,
ils ont pris bébé, ils ont mis de la main de la fille. Elle est venue déposer devant la maison du pasteur. Et puis elle écrit, voilà notre amour, le fruit de notre amour. Voilà ça. Le pasteur sort le matin, il voit bébé qui pleure. Il cherche, il ne voit pas. Le dimanche, elle allait à l'église, elle dit, c'est l'enfant du pasteur. Ils l'ont mis en prison. Le film faisait pitié. Lui-même, il ne sait pas quand on libérera un bébé. Mais ce n'est pas parce qu'on peut accuser un pasteur que tu veux interdire prophétie. On laisse tout le monde parler. Quand quelqu'un commence, si, l'Esprit de Dieu est là, on l'écoute. Même s'il a dit quelque chose qui choque les gens, la Bible dit examinez, prenez ce qui est bon et puis laissez ce qui est mauvais. Mais on ne peut pas dire, nous ici, là, on ne parle pas en langue. Nous ici, dans notre église, on ne dit pas, tu t'appelles Akissi, tu as 16 ans, on ne dit pas ça. Vous êtes des combien? Quand Jésus a regardé Simon Pierre, il dit, tu es Simon. Il a dit son nom, tu es Simon, fils de Jean. Ça veut dire, ton papa s'appelle Jean, on t'appellera Cephas. Cephas dans l'air, ça veut dire caillou Pierre. Et aujourd'hui, nous, les chrétiens, on appelle Simon Pierre. Simon Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Il dit, tu t'appelles Simon, fils de Jean, on t'appellera Pierre. Et aujourd'hui, nous, on dit Simon Pierre. Jésus même a donné parole de connaissance. Vous, il ne faut pas m'a donné parole de connaissance. Les premiers chrétiens prophétisaient. Les premiers chrétiens parlaient en langue. Mais seulement, il y avait du désordre. Désiré avait de parler en langue. Adassa parle en prophétie. Maman, connaît prophétie, lui prophétie. Donc l'apôtre Paul disait, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu veux parler, qu'un est en train de parler, il dit toi tu veux parler, il faut te taire. Que chacun peut donner à tour de rôle. Seulement à l'église de Corinthe, c'était le désordre. Tout le monde prophétise, je suis là, je suis au milieu de vous. Mais ça, il faut écouter. Non, il dit que tout se fasse à un ordre. Lui qui a vision, il n'a qu'à attendre. Quand on finit de prophétiser, il n'a qu'à dire vision qu'il a eue. Lui qui a une prophétie, là, il n'a qu'à attendre. Quand l'autre s'éteint, et puis il n'a qu'à donner. Quand chacun peut maîtriser son ton. C'est-à-dire, il a compris ce que Dieu voulait dire. Mais comme l'autre parle, il attend. Mais tu prophétises, l'autre prophétise. On écoute qui? Et l'apôtre Paul est devenu, il a rendu l'église sage. Par la grâce qui était sur sa vie. Il est sur tout le monde parle en langue. Si un monsieur qui n'est pas chrétien rentre, il va dire, vous êtes fou. Mais si vous prophétisez, il va tomber face contre terre parce que sa vie a été dévoilée. La prophétie a révélé ce qu'il fait. Il dit, il tombera face contre terre et il dira, Dieu est vraiment avec vous. Mais si il rentre tout le monde, papa, on dirait des oiseaux. Il dit, il dira, mais dira-t-il pas que vous êtes fous? C'est pourquoi il dit, moi l'apôtre, je parle en langue plus que vous tous. Il peut parler en plusieurs langues, malinqué, doula, bété. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais devant les chrétiens, je parle dans une langue que tout le monde comprend. Peut-être si c'est le français. Et puis à la maison, je parle en langue. Parce que la femme, la chante en baoulé. Ce qu'elle dit est vraiment beau. Mais nous, les bétés, on ne comprend pas ce qu'elle dit. C'est le baoulé, ceux qui dansent. Il dit, si ce que tu dis là, on ne comprend pas. Qui m'a dit amen? Il faut qu'on comprenne pour dire amen. On n'a pas compris. Et si dans ton parler en langue, tu disais, vous êtes bête. Je nous insultais. Et puis nous, on dit, c'est vrai. Amen. Amen. Je dis, c'est d'accord. Donc, il faut qu'on comprenne. C'est pourquoi les groupes musicaux de l'église, vous qui chantez à l'église, avant de chanter un chant, bon, le blanc bêté, dites d'abord ce que vous allez dire. Là, maintenant, on comprend. Vous venez là. Jésus. On baoule maintenant. Je ne sais pas comment. Un chant baoule. Oh, vous chantez, les baouleurs, eux tous ils comprennent. Fanga nous malé, ils comprennent que c'est une désir fatigué. Mais le guérin qui est là, il ne sait pas ce que tu dis. Donc, une vraie chante, elle vient dire, ce chant-là dit comme ça, comme ça, comme ça. Là, même qu'on ne comprend plus le reste, on a compris le départ. Et eux, ils prophétisaient. Eux, il y avait des miracles, des signes. Dieu parlait. Avant, à l'église d'Assemblée de Dieu, Côte d'Ivoire. Quand tu rentres dans l'assemblée de Dieu le matin, tu es rentré pour aller prier, tu te nettoies. Parce que ce que tu as fait avortement, ça a sorti. Rire. Ma fille, tu as tué un bébé hier. J'ai dit, avant d'aller à la prière, chacun se nettoie à la porte. Seigneur, tu as demandé pardon. Il ne faut pas même montrer. Parce que Dieu parle. Et comme l'église est remplie de combien, c'est eux-là, ils ont commencé à attaquer le Saint-Esprit. On ne prophétise pas ici. Ici, là, parlant, il n'y a pas ça. Le Saint-Esprit, c'était avant de la Bible. Il n'est plus là. Démon, Jésus a parlé. Jésus a agi avant le Saint-Esprit. Vous l'avez vu agir. Vous l'avez vu faire miracle. Et
Aujourd'hui, les sorciers même là, quand quelqu'un s'est en train de réveiller là, il dit non, il faut rester chez nous à l'église catholique, il faut rester là-bas. Parce qu'ils veulent que tu sois d'un lieu où ils vont te manger. Ils ne veulent pas que tu sois d'un lieu où on les attrape, que c'est eux qui sont en train de te passer. Si tu restes là-bas, on se met d'accord. Si tu vas dans la nouvelle église là, on va. Quelle nouvelle église? Nous, on prie ce que Jésus a dit. En nous et vous, quelle nouvelle église? C'est vous qui êtes nouvelle église. Nous, on n'est pas nouvelle église. Alléluia. Donc, mes enfants, l'onction brise le jour. Vous avez vu ma voiture qui est derrière? Ma voiture qui est garée devant l'église ne m'a pas été donnée comme ça. C'est quelqu'un qui était guéri à la radio, qui a venu réveiller toute l'église. Comment cet homme-là peut marcher alors que moi, je pissais 10 fois par jour? Il faut qu'on lui offre une voiture. C'est l'onction qui m'a donné une voiture. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Il faut que vous soyez ointes. Et l'onction n'a pas d'âge. Maman Conan, maman Yvonne, toutes les mamans de l'église, maman Rose, hein, maman Bondoukoué, toutes les mamans de l'église, vous devez être ointes. Quand une fille vient vous expliquer son problème de foyer, là, vous devez rentrer dans sa vie. Elle a la précision de la parole. La parole de connaissance n'est pas pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Je répandrai de mon esprit. Vos vieillards auront des songes, ils auront des révélations, ils auront des visions. Elle c'est la vieillard. Quand on dit vieillard, toutes les mamans qui sont, elles sont trop jeunes. On dit vieillard, barbe blanche, cheveux blancs, mais il aura rêve. Si toi, Dieu, tu n'utilises pas, il faut aller au village. Il y a payé un terrain là-bas, tu vas cultiver. Tu vas faire rien. Dieu doit utiliser tous les jours. Il y a maman Rose. Elle est rentrée dans mon bureau, elle dit, j'ai vu comme caoutchouc qu'on fond. Quand on prend le caoutchouc pour mettre dans le feu, si on a mis sur ta peau, comment tu connais? Elle dit caoutchouc qu'on a fondu dans le ciel. Ça tombait sur la population. Mais ça ne touchait pas les enfants. Ça ne touchait pas les enfants. Et elle dit, mais ma fille, ça c'est la colère de Dieu. Mais pourquoi ça ne touche pas les enfants? Et puis nous, on a réfléchi. Corona est venu. Et bizarrement, Corona attrape les grands. Ça n'attrape pas les enfants. Ça n'attrape pas les enfants. Alors, si un enfant est mort, ce n'est pas Corona. Sexe, c'est asthme, ou bien pneumonie. Voilà, c'est pas Corona. Corona cherche les grands. Et elle, il y a longtemps, dit la colère de Dieu descendait sur les gens. Même les chrétiens même couraient pour fuir. Mais les enfants étaient épargnés. Dieu lui parle. C'est une maman, mais Dieu lui parle. Comment toi, Dieu ne te parle pas? Toi, tu as la maison, ton papa parle, tu n'entends pas. Dieu est notre papa. On dit, on est dans sa présence. Comment toi, tu n'entends pas la voix de ton Dieu? Tu es l'enfant d'un commun. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Jean 10, verset 27. Quand je parle, mes enfants m'entendent. Ceux qui sont proches de lui ne doutent pas, parce que la parole est claire. Ceux qui ne sont pas trop proches de lui disent, il y a l'impression que tu as démarré. Ça dit, eux-mêmes, ils doutent un peu. Il y a l'impression que Dieu va te voir. Mais quand tu es à côté de Dieu, tu entends, dis-lui, elle va se marier. C'est clair. C'est clair. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Le monsieur pisse la nuit 10 fois parce qu'il a prostate. La maladie fait qu'on prostate. Quand pipi le sait, ça coule. Donc pour ne pas pisser sur lui, il court pour pisser. Quelle souffrance. Tu imagines, tu es en train de faire rêve. Le rêve est chez pipi te sait. Il dit, il pisse 8 à 10 fois par nuit. Et je suis tombé par hasard sur l'émission. Et l'homme de Dieu que je ne connais pas disait, mettez votre main, vous avez mal. Une seule prière à la radio. Il a dormi la nuit là sans pisser. Pour la première fois. C'est lui. Il dit, je donne 100 000. Je veux 30 personnes pour donner 100 000. 3 millions. On va lui prendre une voiture. Et c'est ça, ça a débordé. Et puis c'est devenu 4-4. Il dit, je ne croyais pas au pasteur. Les gars disent qu'il a guéri quelqu'un à main. Ils n'ont jamais guéri quelqu'un devant nous. Toujours il a guéri une fille à Dallois. Où on ne peut pas avoir peur. Donc je ne croyais pas au miracle. Mais moi, j'ai dormi la première fois comme un bébé. Et aujourd'hui, je pisse comme tout le monde. Et puis, il me sert. Et puis, il m'a pissé. C'est pas comme avant, ça vient. Et puis, au coup. Donc, ce temps mérite une voiture. Il ne doit pas marcher. Voilà la 4-4 en bas. Comment, à travers la radio, Jésus fait des miracles? Vous n'avez pas. Quels sont ceux qui m'écoutaient hier? Le mercredi hier. Oh, vous n'écoutez plus la radio. Hier, il y a une femme, sa soeur devait accoucher. Sa soeur devait accoucher. Le médecin dit 250 000 pour opération, le ventre. L'enfant est mal placé. Elle a appelé en dîner. Mais qu'elle vient de prêcher là? Demain, il prêche à écouter la radio. Il prêche à 22h. Il y a même le même message hier. Quand c'est comme ça, tu mets la cassette, ça passe. Et puis après, toi-même, tu pries pour les gens. André, il y a un maître. Non, mon émission d'hier était trop fort. La femme m'appelle en direct. Elle dit, j'habite à Yopougon. Ma soeur est à Yamoussoukro.
on doit l'opérer pour accoucher. Si elle ne meurt pas, l'enfant meurt. Pasteur, pardon, priez, dit, donne-moi son nom. Quand elle a donné son nom, il dit, toi qui as Yam Sokro là, toi qui t'appelles Tara. Bébé, écoute-moi bien, tu ne fais pas du mal, c'est à la radio, hein, en direct, tu ne fais pas du mal à ta maman. Tu sors doucement. Ta maman ne meurt pas, tu ne meurs pas. Par la puissance de l'esprit, au nom de Jésus. Elle a quoi? Les docteurs sont arrêtés là comme ça, ils ont mis le truc là. Elle a un truc pour opérer votre là. Ils ont commencé à tailler. Ça dit, ils vont ouvrir votre là. Pendant qu'elles étaient à la maison à Yam Sokro, elle s'apprêtait à prendre le taxi pour aller. L'enfant a glissé lui seul. Il est sorti. Celui qui se lève dit amen. Il a dit, on dirait à des gens qui veulent souffrir. Ton miracle va glisser tout seul, ça va sortir. Celui qui dit amen, il va plus se fatiguer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait que son miracle glisse? Celui qui dit amen fort, ça va glisser pour sortir. Et nos pères, dis cette fois amen. Maître, tu n'as pas le fil pour jouer. Asseyez-vous rapidement. Mais ne touche rien. Mon téléphone est rempli de miracles. Y'a vous fait écouter pour la femme. Ouvre en même temps, rapidement. Ça ne tue pas. Ça fait au moins une minute. Écoutez le témoignage. Écoutez. Augmente bien. Oui, tu disais. Écoutez, il y a un registre. Je disais que. Oui. Il y avait une soeur qui était enceinte. Que. On a amené à l'hôpital, les docteurs ont dit que son accouchement, on va la faire opérer. Aïe. Et vraiment, tout le monde a eu peur, on t'a appelé. Oui. Qui a prié pour nous. Oui. Je dis, papa, elle a accouché à la maison. Jésus va te ressusciter. Jésus va. Celui qui dit amen fort. Les gens attendent que tu meurs. Mais Jésus va te ressusciter. Celui qui dit trois fois amen. À sa droite. Jésus est vivant. Amen. Amen. Une femme a passé concours d'officier. Écoutez pour elle. Augmente. Finalement, elle est sortie, elle s'est admise. Remets le truc au début. Pousse, elle te doit attendre derrière. Elle a passé concours d'officier. Écoutez. Ce garçon-là, il est déjà consacré. Il est parti toucher quelque chose d'autre. Oh. Il m'a fait là pour me dire quoi? Écoutez. Je vais vous expliquer. Elle est policière, elle s'arrête. Arrête maintenant. Elle est policière, elle s'arrête sur la route. Prie, voiture passe. Quand tu t'arrêtes sur la route, cela t'étape, ça ne t'étape pas. La pluie te mouille, mais ça ne te mouille pas. Les gens se moquent de vous, les gens se moquent pas de vous. Les gens se moquent de policiers. Ils sont dans la voiture, puis les policiers. Prie, arrêtez-vous. Elle a passé le concours d'officier. Papa prie pour moi, il dit tu es déjà admise. Alléluia. Officiers, ils ne sont pas sur la route. Ils sont soit au commissariat, soit ils ont leur bureau. Dieu va t'enlever au soleil. On dirait à des gens qui aiment le soleil. Dieu va t'enlever au soleil. Je vais mettre un dernier miracle. Mon téléphone est rempli. C'est le gars de la radio qui m'a dit. Il dit, à chaque fois que les gens appellent, tu n'as pas besoin de les amener à la radio. Pendant qu'ils parlent, toi, enregistre. Il va vous mettre un dernier témoignage et vous allez savoir. Et on va prier. Et vous allez savoir que Jésus est Dieu. Qui croit que Jésus est Dieu? Amen. Qui croit que Jésus est Dieu? Amen. Qui croit que Jésus est Dieu? Amen.
Écoutez ce témoin, après ça on va prier. Écoutez. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais je suis avec mes premiers fils. Cette femme-là, sa première fille était opérée. Sa première fille était quoi? Retenez bien, sa première fille, ils ont ouvert son ventre. Quand ils ont fini d'ouvrir son ventre, elle a commencé à jouer à ses camarades. Le mal est revenu. Ils ont fait quoi? Ils l'ont réopéré. C'est la sorcière qui sont venus tuer ses enfants. Maintenant, sa deuxième fille a été quoi aussi? Opérée. Ça fait trois enfants. Maintenant, la deuxième fille, là, elle encore, le médecin dit, on doit quoi? Ça a fait combien d'opérations? Ça a fait quatre. C'est là, elle a dit, venons à la prière. Il y avait veillé de prière. Papa Biz a dit à la radio, il y avait. La fille est venue. Miss comme CDN. C'est os qui est sur elle. Et le docteur dit, hernie ombilicale là. Je ne sais pas si c'est un sorcier. Il dit, hernie est en train de boire sous ça. Si on n'enlève pas vite, ça va la tuer. L'hernie est en train de vider son sang. Maintenant, elle appelle. Mais maintenant, on va écouter. La porte a touché le ventre de cette hernie sans sida. On doit l'opérer deuxième fois. On va voir ce qui va se passer. On écoute. De la Rivera. Voilà. Après, on va. La maman veut rendre témoignage de ce qui s'est passé. Moi-même, je sais. Sa fille a presque morte. On va l'opérer encore. Maintenant, elle est touchée. Regardez ce qui se passe. Tu parles. Tu parles seulement. J'étais venu ici. Avec elle. D'abord, le nom du couple. Tu m'as fait. Elle est venue à son mari. Béni. Le couple de Béni. À travers la radio que vous m'avez connu. J'étais connu. Donc, tu parlais, tu dis, vous êtes venu. Je suis venu avec elle. Premier veillé. Evelyne. Quand on est venu, d'abord, avant on l'avait opéré une fois. Une fois. Ils ont opéré sa grâce deux fois. C'est pas possible. Ça y est, dans tes enfants, on les a opérés seulement. Deux fois. Maintenant, elle, on devait l'opérer. Encore. Elle maigrit. Puis tu as dit, on était venu à la veille, il dit, allons. Elle aussi, elle n'a pas compté le veillé. Tu as touché son ventre. Depuis ce jour, il a pas mal, elle a commencé à grossir dans ses Celui qui dit à celui qui dit à Même pause. Elle a grossi, elle a dit, aujourd'hui on est venu là. C'est elle-même qui a préparé deux poulets pour qu'on puisse manger à la. Celui qui se lève, il dit Amen. Celui qui se lève, il dit Amen. Il y a des gens qui diront qu'ils vont maigrir. Celui qui se lève, il dit Amen. Regarde ton voisin, dis l'onction fait la différence. Dis l'onction. Faut dire, tu as besoin de l'onction de Jésus. Tu as besoin de l'onction. Qui veut se marier? Faut lui dire, tu as besoin de l'onction. Qui veut travailler? Faut lui dire, tu as besoin de l'onction. Qui veut voir la gloire de Dieu? Faut lui dire, tu as besoin de l'onction. On va s'asseoir. L'onction brise le joug. Ça brise la malaise. La petite fille est en train de mourir comme ça. Elle dit, elle l'a brossé. Son mari à côté dit, c'est elle qui a préparé un poulet au Dieu pour qu'on mange. Elle l'a grossi. Où Hernie est passée? Il faut demander ça à Jésus. Il fait des miracles. Cherchez les lieux de puissance. Les pasteurs d'onction. Voilà ma fille là-bas, bébé est kiss. Elle a kiss dans son ventre, en jaune là-bas. Kiss. Elle a dit, papa, échographie a révélé qu'elle a kiss. Et puis maintenant, on a un bébé là-même qui est derrière en train de dire Alléluia, Amen. Jésus dit que les gens disent que pasteur, mon fils l'ami dit que les gens disent là-bas que pasteur fils est devenu où il menait, que le miracle des grands pasteurs du Nigeria, c'est là-bas il est repris que kiss devient l'homme. Kiss, celui qui dit Amen, c'est lui pas de l'homme. Mes enfants, les deux passages que je voulais vous donner, et puis Dieu m'a dit non, c'est pas la peine. Mes témoignages. Le premier passage dit, le bœuf là, on le boit sur son dos. Et puis, c'est un joug. Le bœuf l'a fait, mais il n'y a pas l'homme pour enlever. Et la Bible dit, ce jour-là, l'Éternel enlèvera le joug qui pesait sur ta nuque. Il y a quelque chose que la sorcière avait mis. Celui qui dit Amen, Dieu va l'enlever. Il y a quelque chose qu'on avait mis. Ça te faisait souffrir. Ça te faisait tourner en rond. Tu cherches, tu n'as pas. Celui qui dit Amen. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever le joug qui pesait sur ta tête. Celui qui dit trois fois Amen. Maintenant, le dernier, assieds-toi. Le dernier passage que je voulais donner, c'était Exode 33, 14 à 16. Ça dit quoi? Moïse dit à Dieu,
Tu es fâché qu'on nous n'amène pas ton ange pour nous accompagner. Pardon. Toi-même, faut venir nous accompagner. Parce que si tu ne nous accompagnes pas, nous aussi, on ne bouge pas. Parce que ta présence seule, ton onction seule, met la différence entre nous et les autres peuples. La chose qui fait qu'on est différent, ta présence est avec nous. Le matin, tu es dans colonne de fumée. Et la nuit, tu es devant nous dans colonne de feu. Si tu ne marches pas devant nous, nous serons comme les autres peuples. Quel est le peuple où son Dieu marche devant lui? La Bible dit quand le feu là s'arrête, personne ne bouge. C'est ici qu'on doit camper. Chacun commence à mettre sa maison. Quand ça s'élève, ça veut dire on continue. Quel est le Dieu qui est... C'est comme le papa qui attrape ses enfants et puis il marche à eux. Moïse dit dans ce passage, pardon, faut pas amener ton âme. C'est vrai, tu es fâché. Nous, on veut que toi-même, tu sois devant nous. Car ta présence nous différencie des autres peuples de la terre. La femme va à loco, mais toi aussi, tu vas à loco. Mais ton aloco ne sera pas comme son aloco parce qu'il y a la présence. Il y a la présence de Dieu. Les gens se sont mariés. Toi aussi, tu as te marié. Mais ton mariage ne sera pas comme pour les hommes parce qu'il y a une différence. Ça vous va, on a fini le jour. Non seulement ça brise malédiction, mais Moïse dit, ton onction met la différence entre nous et les autres peuples. Quel est le peuple où son Dieu est proche de lui, comme l'est l'Éternel, notre Dieu. On a fouillé, on n'a pas vu un Dieu qui est si proche de ses enfants. Aujourd'hui, nous tous, vous me suivez, on est en train de marcher. Quand la fumée s'arrête là-bas, ça veut dire de camper ici. Chacun commence à habiter ici avec sa femme. Et quand ça se lève, ça veut dire continuer. Quel est ce Dieu où le peuple marche à son rythme? L'Éternel, notre Dieu, est le vrai Dieu. Il est vivant. Regardez. Les espions sont entrés à Jéricho. Toute la population a dit, il y a deux étrangers. Quand ils voient qu'elle balèze, vous savez que les deux là ne sont pas ivoiriens. Il y a quelque chose qui était sur les Juifs. Ils sont rentrés à Jéricho. La population a fermé la porte. On dit à deux hommes qui ne sont pas comme nous, qui viennent d'entrer. Mais les Juifs étaient communs. L'onction met la différence. Prenons une femme qui ne connaît pas Jésus, qui a 60 ans. Prenons une femme qui connaît Jésus, qui a 60 ans. Celle qui ne connaît pas Jésus est plus vieille que celle qui connaît Jésus. Prenons visa d'un drogué. Prenons visa d'un chrétien. La drogue est en train de détruire le visage du drogué. Or, la gloire de Dieu resplendit sur le visage de son enfant. On avait un vieux père avant. Son papa est mort. Le prophète Akali. On est parti à Makori Terminus, dans le quartier de mes parents. Je suis parti là-bas, elle a mis Nel Choco. Ils ont amené un DJ. Le DJ est arrivé, mais il n'y a jamais vu des gens polis comme ça. Ils sont amis. Comment on appelle ça? Notre vieux père, là, que son papa et moi, là, c'est une famille amie. Donc les gens orchestre à Boisseau, tout ça, fanfare à Boisseau, ils ont dansé. Le DJ quitte loin de Abidjan. Il est quitté d'une ville. Il s'est excusé, mais il dit le gars arrivait tant en retard. Mais il est presté. Les femmes de fanfare, là, elles ont commencé à parler. Ils nous ont quitté ici. On les connaît, c'est la même chose. Après, ils vont nous demander l'argent, danser devant chacun. Les DJ là se sont arrêtés comme moi, mais ils étaient découragés. Ils disent, mais pourquoi vous faites ça? Elles ont pris les chaises, elles ont tourné. C'est quoi ça? Qui les invitait même? Et puis ils ont entendu. Ils n'ont rien dit. Ils ont mis leur musique, ils ont commencé à danser devant photo du mort. Ils ont dansé devant photo du mort. Quand ils sont arrivés sous notre bâche, j'ai mis ma main dans ma poche. Les gens donnaient. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai enlevé bien de 2000. J'ai mis dans leur panier. Il m'a regardé et puis dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Dans le funéraire, il n'y a pas de Bible. Il s'est habillé en déjà chemise. Donc tout le monde dit, homme de Dieu. Lui qui dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. À la fin, ils ont fini de danser. Quand il partait, elle est venue l'enlever petite Bible. Il m'a montré, il dit, moi aussi, je suis chrétien. Il dit, comment tu sais que c'est pasteur? Il dit, la gloire de Dieu me montre dans tous ceux qui sont assis sous la bâche. La gloire de Dieu me dit que tu es le serviteur de Dieu. Celui qui dit amen, il sera dans la différence. Il sera dans la différence. Un DJ qui a porté qui te gérait coupé. Il a pas sorti petit Bible. Il dit, parmi eux, tout ce qu'il a regardé, Dieu dit tu es son serviteur. Tu es un pasteur. Il dit oui. Il dit tu es un pasteur, non. On est ensemble. Et puis il a pris sa route, il est parti. Quand l'onction est sur toi, les gens sont jaloux. Les gens de coup commun te critiquent. Les gens t'attaquent.
Tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Tu n'as pas pris, on dit tu as pris. C'est parce que la gloire en celui qui dit Amen. C'est parce que la gloire de Dieu. Les gens vont mentir sur toi. Tu as les attraper, mais en train de te critiquer. Parce que tu n'es pas comme eux. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas comme eux peut se lever pour toi? Il faut t'attaquer pour rien. Ton nom sera toujours dans leur bouche. Tu as parlé, on dit tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé, on dit tu as parlé. Mais si tu leur donnes à manger, ils vont te critiquer. Parce que eux-mêmes, attends là. Eux-mêmes, ils savent que vous n'êtes pas même chose. Attrapez-la. L'onction met la différence. Un DJ, tout le monde est sous bâche. Il vient me dire, je sais que tu es un homme de Dieu. Comment tu sais ça? Il dit, je sais. Et il m'a montré sa Bible, il dansait un pic dans sa poche. Il dit, je reconnais les oints de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Même ton funérailles, même au village, on va reconnaître que Jésus est avec toi. Même ton canari, est-ce que le père a des enfants? Même chez les sorciers, on va reconnaître que Jésus est avec toi. Celui qui se lève, il tourne sur le plus fort. Il dit, Amen. Ça sentira ces choses. Enlever la chair. L'onction a commencé sur la maman. Je vous en prie, si vous me regardez, vous n'allez rien recevoir. Je reconnais que tu peux tout. Groupe musical. L'onction a commencé sur la maman. Lève tes deux mains vers le ciel. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, va mon voir ta gloire. Ferme tes yeux. Tu vas recevoir aujourd'hui. Chante avec le groupe musical. Je reconnais,
cet aveu. Comme Bartimée l'aveu. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. 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 Il m'a touché. Il m'a touché. Touché, touché, touché. Jésus m'a touché. Touché, touché. Mon créateur m'a touché. Touché, je ne serai plus le même. Touché, touché, touché. Jésus m'a touché. Touché, touché. Mon créateur m'a touché. Touché.
Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit a descendu. Je vous dis la vérité. L'Esprit a descendu. Adore ça sera fort. Adore ça sera fort. L'Esprit a descendu. Prends l'Esprit. Prends l'Esprit. Sauvé, 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 sau
encore. Reçois l'onction. Tu es venu prendre quelque chose. Avant de partir. Tu es venu prendre une place. Reçois. Quelque chose se passe sur cette femme. Elle la connaît pas. Quelque chose se passe sur elle. Elle a venu prendre quelque chose. Elle a venu prendre une clé. Elle a venu prendre le blocage. Elle a venu prendre un miracle. Le Seigneur te lève. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te fait rentrer dans une maison de gloire. Le Seigneur te donne ton salaire. Il te donne ton salaire. Il te donne ton passeport. La main de Dieu est sur toi. Récupère ce que tu as perdu. Récupère. Je change ta vie. Couche. Le mariage. Recevez. Comme il habite à Goumans, il est venu. C'est un serviteur de Dieu. La grâce, le père, sort, oiseau, casse-pésaire, libère sa gloire, casse-pésaire. J'aime tes amis, oh, mon papa, oh, touche-moi, j'aime t'adorer. Touche-moi, j'aime tes amis. Eh, mon papa, oh, touche-moi, j'aime tes amis. Oh. Allez, reçois. Touche-moi, j'aime tes amis. Allez, reçois. Mon papa, oh, reçois. Je veux te servir. Touche-moi, 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 je veux te servir. Touche, ma douche, touche, ma douche, touche, 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 touche
de conduire, un passeport et puis une bague de mariage. Un permis de conduire, un passeport et puis une bague de mariage. Tout ce qui était sous l'onction venait de nous. Mon papa, oh, touche-moi, 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 je vais t'adorer, oh, yeah. Toi, Adassa, Donna, Régine, Désiré, Vazir, voilà, vous faites un jour toute ma vie. Et puis vous allez aller, vous reposer quelque part. Là, vous quoi? Vous toutes, j'ai bien vu ça en rêve. Touche-moi, prends l'esprit, je vais t'adorer. Fermez les yeux, mettez-vous en face. Mon papa, oh, touche-moi, mettez-vous en face de moi. Vous tous ici.
Ne touche tout le monde une fois et dix fois. Seigneur, oui, ma main. Que chacun parle avec son morceau, sa grâce et sa gloire. Pour la gloire de ton nom par l'Esprit Saint, je prie. Amen. Reçois l'onction. Mets la douce soirée. Viens prendre. Viens prendre. Tu veux te dire, laisse-la. Touche. Quand il vient, ne la touchez pas. Viens. Prends ta grâce. Ceux qui retournent peuvent aller s'asseoir. Viens. Prends ta grâce. Ange, j'entends Paris. Et bien là, j'entends Paris. Et puis je vois la tour Eiffel dans mon esprit. Va. Il m'a touché. Venez vous tous, ceux qui le touchent vont s'asseoir. Prends ton mariage, prends ton voyage. Touche-moi,
ce que tu ne lui as pas demandé. Prends l'esprit avec toi. Touche-moi, je vais t'adorer. Mon ami, oh, touche-moi. Il y a une leçon. Tu m'as touché, touché, je ne saurais plus.
continuer dimanche. On va continuer par la grâce de Dieu dimanche. Et puis la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, on va continuer. Dimanche, on va continuer. Vous voyez cette petite adoration. Imaginez maintenant au ciel. Ça ne finit pas. Ici, il a arrêté parce qu'il a senti que d'autres doivent aller au loin. J'ai arrêté parce qu'il a senti que d'autres ton bébé. Mais au ciel, la partie où on dit, je veux t'adorer. On va chanter ça pour l'éternité. On chante seulement, il n'y a pas de fin. Tu vas mettre ta main à la poche. On va faire deux offrandes. La première offrande est pour lui. Et la deuxième offrande, c'est pour payer le carburant du feu. Mon ami, toute la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour ce moment d'adoration. Ce moment d'onction, de parole, ce moment de partage, de restauration. Que toute la gloire lui revienne à lui. Revienne à lui seul par la puissance de l'Esprit. Et dans le nom tout puissant de Jésus. On se lève et on dit cette fois Amen. 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 On acclame le Seigneur. J'ai vu celle-là. Elle m'a vu se marier, mais c'est la sirène. Et c'est la sirène des eaux qui crie. Enlevez-la devant chez les gens. Regardez. Les gens, amenez-la vers ici. Soulevez-la à Djoumani. Soulevez-la, amenez la voix ici. Ou bien faites-la descendre. Faites-la descendre. Mettez-la dans la cour. Doucement. Mettez-la dans la cour. Allez, un terrible esprit de Dieu. Un terrible esprit de sirène. Voilà, amenez-la dans la cour. Tu vas mettre ta main à la poche. On va donner à Dieu. Je vous avais dit. Et c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer maintenant. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça va chauffer ici. Et puis maintenant, le dimanche. On va continuer parce que j'ai regardé là, il y a des bébés dans les gens, il y a des gens qui vont au loin. Donc j'ai coupé. Mais dimanche, on va couper. Dimanche, c'est 3 cultes, c'est ça. Premier culte, 9h, 10h30, c'est ça. Le premier culte, 9h, 10h30, ils descendent. Le deuxième culte, 10h30, midi, ils descendent. Et puis le dernier culte, midi, 13h. C'est moi, je serai dans 3 cultes. C'est moi, j'ai prêché aux 3 cultes. Ah, non, même si tu as venu au premier que tu as venu, que Dieu vous bénisse. Prends une offrande d'abord. Mets dans ta main. Prie le Seigneur. Joue toujours, toujours. Joue toujours la mélodie. Mets ta main à la poche. Viens faire ton premier offrande. Ah, ici tous les mercredis, jeudi, vendredi, il y a toujours deux offrandes. Viens faire ta première offrande. Viens faire ta première offrande. Ah, ta téléphone. On est quatre. Mon papa. Oh, t'es un faux type. Et puis tu me laisses souffrir. Amène la caméra. Amène la caméra. Mon Jésus, oh Jésus.